Le colonel Henry, ce qui frappait immédiatement, c'est évidemment d'abord son physique, même avant qu'il ait ouvert la bouche. On voyait là un homme imposant, un peu trapu, véritablement un physique de paysan. C'était un paysan avant toute chose, et même sur ses dernières années, enfin c'était pas ses dernières années, c'était ses 30 dernières années, il était resté ce paysan qu'il était fondamentalement, stature assez robuste, ramassé sur lui-même, et ça c'était la première impression qu'on avait, un visage énergique, et c'était son physique. Alors, il était d'un contact très facile, il avait la plaisanterie rapide, il était très amical, et même avec le petit jeune homme, le petit garçon plutôt, je dirais presque, que j'étais, je me rappelle très bien, il était très amical, c'était le petit copain de son fils, donc tout de suite, il avait des paroles gentilles, drôles, et affectueuses avec nous, et avec moi en particulier. Oui, il parlait assez facilement de ses campagnes, mais c'était pas le sujet principal de sa conversation, il fallait le mettre là-dessus. Et alors là, il répondait volontiers, mais on sentait bien qu'on avait affaire à un personnage très exceptionnel. Donc on avait tendance, peut-être trop, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça l'agaçait un peu, qu'on aille trop souvent, qu'on revienne trop souvent sur la guerre, sur les guerres, puisqu'il avait fait les deux guerres. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il en parlait très, très volontiers, très facilement, et c'était fascinant de l'entendre raconter certaines anecdotes de la guerre. Pour moi, c'était surtout la guerre de 14-18 qui m'avait surtout frappé dans ces moments-là, dans ces récits.